Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Crash Bandicoot Ensign Trilogy, le troisième épisode. On va jouer avec Coco, tout simplement parce qu'en fait, comme il y a certains niveaux qu'on est obligé de faire avec Crash, je me dis que si on joue avec Coco, ça permet d'alterner avec les deux en fait, parce que de temps en temps, comme on est obligé de jouer avec Crash, voilà. Donc c'est parti, alors les amis, je tenais à vous remercier pour vos retours sur les deux premiers épisodes, ça a été énorme. Hein, quand je fais quelque chose qui est hors du Mario, hors du Nintendo, j'ai toujours peur que personne ne regarde, que vous soyez pas là, que vous en moquiez, que vous zappez. Et finalement, il y a quand même certains d'entre vous qui sont toujours là et vous êtes les meilleurs, ceux qui sont toujours là. Et donc je tenais quand même... Comment on fait pour avoir ça? Attendez. Ah, d'accord, ok. Et donc... Ouais, mais attendez, mais... Ouais, d'accord. Et donc... Oula. Ok, et donc je voulais quand même vous dire... Mais attendez, on va où, là? Je tenais aussi à dire que vous avez été énormément à me dire de quelle façon, en fait, vous avez découvert Crash, comment vous avez connu Crash. Et donc effectivement, il y en a quelques-uns d'entre vous hein, qui m'ont dit que vous avez découvert Crash grâce à moi, et ça me fait tout drôle, ça me fait chaud au cœur, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai découvert Crash bah, grâce à mon cousin il y a longtemps, et donc savoir que voilà, certains d'entre vous découvrent Crash grâce à moi, c'est une boucle qui se ferme, et donc c'est génial. Mais il y a quand même beaucoup d'entre vous aussi qui m'ont dit que vous connaissiez déjà Crash depuis, par exemple, enfin, j'ai remarqué un commentaire, par exemple, en particulier, peut-être que tu te reconnaîtras, mais t'es pas non plus le seul à avoir dit des trucs comme ça, mais en fait, il y a l'un... Ok, d'accord. Attendez, mais comment on fait pour ça? J'ai pas bien compris, ok. Et donc oui, il y a... What? J'ai pas compris. Mais donc il y a l'un d'entre vous qui m'a dit, oui, moi j'avais 4 ans quand j'ai découvert Crash. J'étais vraiment tout petit, j'avais 4 ans quand j'ai découvert Crash. Et après, bah, j'ai redécouvert des années plus tard, quand ils ont fait Crash Team Racing et des jeux comme ça, parce qu'effectivement... Ceux d'entre vous qui ont découvert Crash quand ils avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous y jouiez pas en fait. Genre vous regardiez, mais vous compreniez rien au jeu. Et c'est super marrant. En tout cas, j'adore quand vous me racontez dans les commentaires de quelle façon vous avez connu tel ou tel jeu. Ça me fait super plaisir. Alors, bon là par contre, j'ai galéré un petit peu. Ça va peut-être pas se reproduire. Mais j'ai pas bien compris les chauves-souris en fait. Oh oh oh. Ça, ok, ça c'est facile. Mais alors, ça, comment va? On peut peut-être pas les tuer en fait, faut juste aller rapidement en fait. Parce que je pense qu'on peut en tuer une, mais on peut peut-être pas toutes les tuer, donc voilà, faut aller assez vite. Non mince, ok d'accord. J'ai bien fait d'attendre. Ah oui, la chauve-souris qui est là en fait, elle nous annonce à partir de quand arrivent les chauves-souris en fait. D'accord, donc elle est pas là pour rien en fait. Je comprends. Ok, stylé. Ça c'est un petit peu moins stylé par contre. Ok, ouf. Un petit checkpoint, enfin, oh non. Ah mais ça on peut pas l'avoir, c'est trop haut. Il faut déjà activer l'interrupteur, et l'interrupteur je sais pas... Non non non, ok je sais pas trop comment. Ouais on peut rester en bas. Parce qu'elle est trop stylée Coco, non? Là je l'aime beaucoup. Mais vraiment merci, merci à vous tous pour vos retours sur le premier épisode. J'étais super content, ça m'a fait super plaisir. Alors entre cet épisode et le dernier, j'ai rejoué un petit peu à Crash parce que j'ai essayé de gagner un peu plus de vie. Parce que j'avais pas assez de vie pour aller loin, enfin... Faut pas abuser, je... Enfin... Mais d'ailleurs aussi vous avez été quelques-uns dans les commentaires parce que j'avais dit est-ce que le jeu est plus simple ou pas. Et il y en a qui m'ont dit qu'effectivement il y a certaines parties du jeu comme le début du jeu qui est plus simple. Mais il y a certains du jeu qui il y a certaines parties du jeu un peu plus loin où ils ont conservé la difficulté. Et même d'autres où ils ont même amélioré la difficulté, où le jeu est encore plus difficile qu'avant. Et ça je veux bien vous croire hein, on verra. Mais par contre il paraît qu'on donne plus de vie pour justement que vous fassiez moins de game over. Et en plus de ça, si vous perdez trop de vie dans un niveau, ils vous rendent le niveau plus facile. C'est ce que certains d'entre vous m'ont dit, donc je ne sais pas, j'ai pas testé à fond, mais je veux bien vous croire, hein, parce que c'est un petit peu dans la mode aujourd'hui, quoi, de rendre les niveaux un peu plus faciles quand on a déjà perdu trop de vie. Et c'est d'ailleurs plutôt cool, parce que c'est un peu énervant de rester bloqué longtemps sur un niveau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, j'ai pas fait apparaître les trucs... Vous êtes sérieux? Non, je peux plus faire demi-tour là. Ah non, je peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'en ai aucune idée. Pour moi, j'aurais fait apparaître l'intérêt. Enfin, mince, la caisse qui était là-bas, mais. C'est pas possible. C'est trop long, je peux pas faire demi-tour. J'en sais rien. On va découvrir ça bientôt, je pense. Enfin, on va monter, mais j'ai absolument aucune idée de ce que j'ai activé. Je sais que j'ai activé un truc, hein, forcément, mais alors quoi? Bonne question. Non, mais sérieusement. Ok. Mince, je me suis fait pousser. Ok. Là faut avoir un bon timing. Ok, alors ça bah non bah, je les ai pas hein, forcément, j'en ai eu aucun de ces bonhommes. On peut aller dans le fond? Ouais on peut, qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Ah mais oui on peut aller dans le fond, il y a des trucs dans le fond. Ah bah il y a une tête de lui. Bah oui mais je peux pas les avoir tes têtes hein monsieur.
Je peux pas les avoir les autres. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il me court après ou quoi? J'ai l'impression qu'il me court après, mais bon, comme... Qu'est-ce qui vient de se passer? D'accord. Il était tellement lent que... Ouh là 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 là. Attendez, attendez, attendez. Non? D'accord, on le tue facilement par contre, ça c'est cool. Les chauves-souris, elles sont dans l'autre sens. Ok, mince, 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 mince. Non, non, j'aurais dû attendre! Comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas droit à l'erreur dans Crash. Hein. Quand tu prends mal un truc de plateforme, t'as aucune chance de rattrapage, quoi. C'est mort pour toi. Hein. Là, par contre, il y a ça que j'avais mal vu tout à l'heure. Ok, super. Très bien. Ça, on a gagné pas mal de pommes, c'est cool. Alors ça, par contre, ça fait peur, donc voilà. On saute directement au plus loin. Oula, toi, tu viens ici ou pas? Ah, faut déjà que je saute là, d'accord. Attendez, mais si je fais ça... Ah, on peut le tuer comme ça, d'accord. Là, on va attendre, hein. On n'a pas le choix, de toute façon. C'est sérieux? On n'a absolument pas le temps, quoi. C'est ultra chaud. Bon, les amis, c'est vraiment pas facile, cet endroit. Je me demande bien comment faire. La synchro me paraît très bizarre. Bah non, mais j'ai pas le temps. On va voir, là, je vais avoir le temps. Attendez, parce que là, voilà. Ok. Super. En plus, le checkpoint est juste à côté. What? Ok. Bon, en plus, le checkpoint est juste à côté. Donc, il suffit juste de passer ça. Et après, c'était bon. Comment on fait pour ça? Ok, comme ça. D'accord, ok. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Non, 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 mais sérieusement, mais... Comme je vous dis, mais ce jeu, mais t'as pas une seule... T'as pas du tout droit à l'erreur, quoi, faut... Ah, c'était là que je pouvais y aller, non? C'est là que je pouvais y aller, ok. Et donc ça... Maintenant... Enfin, je pense que je pouvais, mais... Ah, je pouvais, mais sérieusement, mais je le savais pas, comment je pouvais le savoir? Bon, les amis, faut que j'y arrive, là, faut que j'y arrive. Je gaspille des vies ultra bêtes, mais sérieusement... Oh. Bon, allez, allez, allez. Il y a un moment où je peux y aller. Ok, je crois que je comprends. Bah oui, mais non, mais comment je peux savoir, là, ce moment-là? Enfin, et comment je peux faire? What? Attendez, ils ont changé. Ah non, ok, donc c'est là qu'on peut y aller. Non, 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 mais... Oula, alors là, j'ai été sauvé, mais d'une manière inattendue. Ok, ouf. Ouf, c'était vraiment pas facile, hein. Ah, j'espère qu'il va pas me tuer lui, mais attendez. Oh, super, ok. De toute façon, je pourrais pas avoir toutes les caisses. Qu'est-ce que j'essaye d'avoir toutes les caisses? Je sais que je pourrais pas toutes les avoir. Bon. Voilà, faut tuer lui. C'est très important. Ok, c'est pas bien difficile. C'est juste que faut y aller douce. Bon, allez, cette fois, on va essayer de faire un saut un peu mieux. Mais en fait, c'est ça, j'ai fait un saut tout pourri. Mais parce que dans... Ok, ouf. Dans Crash, les sauts sont vraiment... Enfin, ils se font vraiment au pixel près. Enfin, c'est vraiment... La plupart du temps, tu sautes un tout petit peu trop tôt, c'est bon. Tu peux plus y arriver, là, c'est fini. Ok, alors là, ils abusent un petit peu, non? Je sais pas. Ok. D'accord. Attendez. D'accord. Mais c'est ultra chaud, mais c'est ultra chaud ce truc, vous êtes sérieux? Bon, allez, et si je fais directement tout ça, quoi? Si je fais, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit une terrible idée. Okay. En fait, le problème, c'est qu'on sait pas quand les caisses sont détruites. Et donc, quand on sait pas quand est-ce qu'elles vont être détruites, eh ben, c'est un petit peu tendu, en fait, comme principe. Bah voilà, mais non, mais c'est terrible, on sait pas quand est-ce qu'elles explosent, les caisses. C'est atroce. Après, je peux essayer une autre technique. Attendez, je vais essayer ça. J'aurai moins de pommes. What? Je savais même pas que ça c'était possible, mais bon. Ok, what? Alors là, je crois que j'ai bugué le jeu en fait. Je crois que ça c'était pas logique, mais bon. Si vous voulez. Ok. Donc là, si je commence par détruire toutes ces caisses là, c'est bon. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, non. 4. Ok. Allez. Alors, il faudrait pas que je tombe bêtement à la fin. Ce serait surtout ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! C'est bon, les amis. Ouf! Enfin, je suis trop content. Alors qu'en fait, ça sert à rien. Je pourrais pas avoir toutes les caisses. Il y a toute une zone bonus où j'ai pas pu aller. Ah. Bon, c'est pas grave. Moi, j'aurais gagné quelques vies. Oh là 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 là. Ça, c'est trop chaud. Je sais pas qui a eu l'idée de ce truc, mais ouais, il nous donne réellement plus de vie que dans Crash, je m'en souviens maintenant, parce que là, il y a beaucoup d'endroits où il nous donne des vies, alors que c'était vraiment rare dans le... What? Allez. Mais...
Je comprends vraiment pas lui, hein. On peut pas l'avoir de devant? Alors, ok, d'accord. Non, 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 mais attends, il me pousse. Là, là, non, 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 mais non, non, non. Mais je deviens fou, là, avec cet ennemi. Même de derrière, on peut pas l'avoir. Je comprends pas bien, mais... Mais j'en ai déjà tué des trucs comme ça, non? J'en ai pas tué. Il y en avait partout dans le niveau, je suis sûr de pas en avoir tué. Je comprends pas. Je suis perdu, là. Attendez, mais c'est pas un ennemi compliqué. Même en lui sautant dessus, il est complètement invincible. Mais c'est quoi ce bordel? Bon, là, j'ai un haku. Donc, le haku va sûrement m'aider. Parce que je comprends vraiment pas, les amis. Je sais pas comment on peut passer un truc comme ça. Ah, il me touche. Oui, donc je l'ai tué, c'est cool. Mais attendez, mais il y en a encore un là. Mais comment on fait pour les tuer? Ok, il s'en va, c'est cool. Attendez, attendez. Mais on peut vraiment pas les tuer, hein. Non, mais ce qu'il y a vraiment de bizarre dans le jeu, là, c'est que... Qu'il y a un ennemi qu'on puisse pas tuer. Ok, je veux bien, ça peut arriver qu'il y ait un ennemi qui soit invincible. Mais alors, s'il y a un ennemi qui est invincible, indiquez-le, quoi. Enfin, je sais pas, mettez-lui une carapace qui a l'air increvable. Enfin, faites un truc, quoi, parce que là, cet ennemi, quand tu le vois, il a absolument pas l'air invincible. Il a l'air d'être pareil que les autres ennemis. Donc, je comprends pas bien. Enfin, bon, premier niveau de terminé, mais ça en aura mis du temps, hein, ce niveau. Attendez, mince. Elle se prend combien de boîtes? La pauvre, elle va casser son PC, là. Ah, d'accord, 24 boîtes, je crois que c'est mon record. Allez, niveau suivant. Qui n'a pas l'air des plus simples non plus. En fait, c'est avec la perspective, j'ai un petit peu de mal à voir, mais ça va être mieux, en fait, quand on va aller vers la gauche plutôt que vers l'arrière-plan, je pense. Là, y a rien, y a pas d'autre caisse. Non, on dirait pas. On n'a rien loupé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oulala, là là. Ça, c'est la même chose que les fleurs, non? Ouais, on dirait que c'est la même chose que les fleurs, donc c'est pas très grave. Oulala. Là là. Attendez, la perspective me perturbe un petit peu, hein, je suis désolé. Ça s'écroule ou pas? Non, ça monte et ça descend, c'est tout. Ça, par contre, ça tombe. Ouais, ça tombe. Allez, un serpent encore. Ouf. Ça va, le niveau me paraissait assez horrible au début. Finalement, je trouve que ça a l'air d'aller. Non, mais alors là, la perspective, par contre, c'est un truc de dingue. Hein. J'y comprends rien du tout. Hein. Mais oui, je sais pas du tout à quelle distance elles sont, les plateformes. J'ai l'impression qu'elles sont collées, mais elles le sont pas du tout, en fait. Donc bah, je vais y arriver potentiellement. Mais alors après combien de réessayages? On va voir. Allez. Ok d'accord, faut vraiment maintenir le stick à fond. Bah non, on va quand même pas totalement à fond, mais un petit peu à fond. Non mais ça par contre, ça pour moi, là c'est une erreur de level design, hein, carrément. Bon c'est pas grave, c'est rarement dans le jeu. Puis on comprend que c'est un peu une histoire de nous mettre la pression. Mais quand même, je suis un petit peu déçu. Mais bon ça va, c'est bon, c'est déjà fini. Oula. Attendez, y'a d'autres chauves-souris qui vont arriver ou pas? J'en vois pas. Oulala, ah si, si, y'en a, ok. Très bien. Ok. Je suis tombé dans le vide, sérieusement! Non mais ce jeu me rend déjà fou, c'est chaud! Alors, ok, on la tue, ça c'était pas bien difficile. Oh non mais le vide caché derrière les caisses, ça c'est un petit peu abusé quand même. Hein. Je cautionne pas, hein. Ok. Je vais éternuer. Encore, mince. Ok. Désolé. En France, je suis toujours enrhumé. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est pas le cas d'habitude, mais... Ah, ça m'arrive tout le temps. Ouh, ça s'est coulé, non? Non? Ah, d'accord, c'est pour aller à la suite. J'avais pas compris. Quand je l'ai vu bouger un petit peu, j'ai eu peur. Non? Ok. Ça chauffait un petit peu trop longtemps. Ok, le serpent... On va s'en débarrasser, hein. Ouais. C'est pas un problème. Le problème c'est surtout le feu en fait derrière. Ok. Ok, un checkpoint. Oui. Ouf. Le principal c'était d'avoir le checkpoint. Si j'étais mort juste après le checkpoint, c'est pas grave. Attendez, il y a un truc derrière moi, non? Ah non, c'est ça qui fait trembler l'écran, ok. Parce que je voyais l'écran trembler, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. J'avais peur qu'il y ait un ennemi gigantesque après moi. Bon, les chauves-souris reviennent, on les laisse passer, tranquille. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle revient à la plateforme? Elle va pas revenir, non! Non, ça c'est nul! Ah, elle revient! Bah, je peux pas le savoir, ça, d'accord, ok. Elle a mis tellement de temps à revenir que. Mais quoi? Hein? Oh! Si je m'attendais à ça, ça continue ou pas? Ah, ça continue. Ok. Je savais même pas qu'il y avait des trucs comme ça dans Crash. Je suis un niveau surpris là. Au moins, ça me fait regagner des vies, donc c'est cool, mais.
D'accord, bah écoutez, tranquille les amis, c'est cool. Je savais même pas qu'il y avait des passages secrets comme ça dans Crash. D'accord, bon bah écoutez les amis, super. Et voilà. Continue, tranquille. Là j'ai vu le truc en hauteur, vous n'en faites pas. Histoire de gagner 10 petites pommes. Alors ça, ça va être un petit peu plus chaud. Non, super. Le feu. Le feu, c'est ce qui me fait le plus peur. Pourtant, c'est un obstacle comme les autres. Hein. Il tue en un coup comme tous les autres obstacles. Mais alors, moi, il me fait peur. Pourquoi les trucs sont tombés, là? Ok. Ok. J'ai pas bien compris ce qui gère le fait qu'il tombe et qu'il remonte. Mais si vous voulez. Ok. Bon. J'ai un petit peu tout ignoré, là. Parce que ça m'a fait très peur. Cette zone m'a paru très étrange. J'ai pas loupé des caisses. Peut-être que si. En tout cas, j'ai loupé des pommes, ça je sais, mais on s'en moque. Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Oh, j'ai eu beaucoup de chance là. Ok. Bon. Ah non, mais c'est super chaud ce niveau. Mais oui, il nous donne des vies à la pelle quoi. Enfin, genre, jamais il nous donnait 3 vies d'un coup dans le premier Crash. C'était impossible. Ah non, j'ai loupé des caisses. Ah non, j'en ai loupé une qui est ici. Eh bien, super les amis, ouf! Je croyais que c'était la fin. J'étais tellement persuadé que c'était la fin que je m'en moquais, quoi. J'ai foncé. Eh bien non, c'était pas la fin. Ok, les amis, c'est bon. Là, on va pas se faire avoir. Hein. Moi, j'ai déjà eu le cristal, ok. Ça compte toujours. Attendez, what? Oula, on va attendre que les chauves-souris reviennent. Allez! Attendez, mes chauves-souris reviennent, là. Ok, non, c'est bon. Ouf, c'est ultra chaud, hein. Pour une fin de niveau, ils ont un petit peu abusé, là. On a déjà récupéré le cristal, et direct, ils nous remettent ça. Ouh, les clés, je sais toujours pas ce que c'est, hein. Mais bon, ok, super. On est à combien de pourcentage du jeu, là? 31. Correct. Les attaques directes ne font rien aux cochons de haute altitude. Ça veut dire quoi, ça? Des cochons de haute altitude. C'est quoi, ce délire? Il va encore y avoir des ennemis ultra bizarres. Oh, bah, d'accord, ok. On est vraiment dans les hautes altitudes, là. Ça ne rigole pas. Ok. Y a rien derrière, donc là on y va. Pff, ridicule, le niveau vient de commencer et je meurs de manière ultra stupide dès le début. Bon, on va pas refaire, enfin on aurait dû, mais bon. Allez, on peut me sauter ou pas? Ouais, ok, d'accord, alors ça c'est chaud par contre. Ok, très bien, mais attendez, non. Comment on s'en va? Oh là là, ok, le pont se casse, donc ça fait qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, faut vraiment... Mais j'avais pas mis le pied dessus pour le moment! C'est trop chaud! C'est horrible! Ok, ça c'est bon. Bon, là je vais avancer, je vais pas m'arrêter, attendez. Mais sérieusement, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je dois peut-être pas mettre les pieds sur les barres qui sont à moitié cassées en fait. Ça doit être ça, d'accord. Ok, si c'est ça, je comprends. Ok, ça c'est bien. Donc allez, on y va. On voit rien avec les caisses. Donc attendez, si je me mets quand même ici, c'est bon, je me fais pas toucher par le feu, pas par là. Je me fais toucher quand même, d'accord. Parce que là maintenant on peut voir, parce que sinon on peut pas voir en fait. Ok, donc je comprends, là on se met là, et là on se met ici, et voilà, ouf. Oh, c'est chaud, c'est ça les cochons de haute altitude. Donc on peut pas leur faire d'attaque, ça les tue pas, d'accord. Bon, c'est pas grave, il est tombé ou pas? Qu'est-ce que c'est ce machin bleu? Ah, ça glisse. Ok, d'accord. C'est glacé en fait, d'accord, je comprends. Ok, ouh. Heureusement, dans ce niveau là, ils ont assuré au niveau des points de contrôle, il y en a beaucoup. Et tant mieux, parce que sinon je serais complètement déjà mort depuis longtemps. Par contre, les cochons là qui arrivent à ces moments là, c'est ultra chaud. C'est un petit peu abusé. What? Mais quand est-ce qu'il fait demi-tour? Bon, allez, je vais y arriver cette fois. D'accord, ok. Donc là, c'est trop chaud avec le cochon, c'est ultra chaud, hein. J'ai déjà plus énormément de vie. Bon, on va essayer, voilà, de pas s'arrêter. Mais on peut même pas rebondir sur le cochon, quoi. Bon, allez. Et là, si je vais directement là-bas, c'est bon. Ensuite, ok, ouf. Alors là, il n'y a pas de checkpoint, par contre, d'accord. C'est juste ce que je voulais. J'ai vraiment pas mis. Ok. Il n'y a pas de cochon, là. Je dirais qu'il n'y a pas de cochon. Ok. D'accord, s'il n'y a pas de cochon, c'est tant mieux, tranquille. Ou... Non! Je suis tombé dans un truc, je savais même pas qu'on pouvait tomber dessus, quoi. Enfin, il y avait un trou là-bas, je l'avais pas vu, hein. Mais oui, il y a un trou!
Bon, on va faire attention au trou cette fois, hein. Il n'y a même pas de cochon, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il y a un trou, oui, mais c'est pas grave. Ok, donc là on saute ici, et voilà. Ouf. Oh non, là il y a une autre zone, d'accord, ok, bon bah tant pis. Voilà. Je saute pas assez loin, d'accord. Il faut commencer à glisser, c'est ça? Ouais, je pense, ok, d'accord. Bon, faut pas s'arrêter sur ces niveaux-là, faut vraiment pas s'arrêter. Là, là maintenant, on peut s'arrêter un petit peu, il faut, mais sinon, d'habitude, il vaut mieux pas. Hein. Et alors là, ok, on se fait pas avoir, on saute pas sur les endroits qui sont tout cassés. Mais non, mais là, mon saut, il va pas aussi loin, enfin, c'est pas possible. Faut pas que j'ai de game over, s'il vous plaît, je veux pas de game over. Ouais, c'est bon, mes sauts vont assez loin. J'aurais dû le passer, il se trouve, enfin, je sais pas pourquoi j'ai essayé de sauter sur le tronc qui était cassé, alors que, enfin, on pouvait le passer, le truc. Là on peut aller directement là, là oui on stoppe un petit peu. Trop chaud. Non mais ce jeu nous demande une précision dans nos sauts que genre même Mario n'a pas, hein. C'est pour vous dire à quel point c'est difficile. Là on va sur les bleus, ok on glisse. Ils abusent complètement là. Puis là maintenant il y a un petit cochon qui arrive, qui va me tuer, non il vient jusqu'à moi. Ouais il vient jusqu'à moi. Donc, ok. Et ce qu'il y a de vraiment chaud dans ce crash, c'est que même quand tu as passé une zone que t'avais du mal à passer et que t'as réussi à passer, ça veut pas dire que les fois suivantes tu arriveras à la passer la zone, hein, pas du tout. Bon là on va pas s'arrêter parce que j'ai un Aku-Aku, donc voilà, heureusement, heureusement pour moi. Mais heureusement qu'il nous donne des Aku-Aku parce que sinon c'était la mort quoi. Alors là il y a une zone bonus, heureusement parce que ça va nous permettre de sauvegarder. Et faut que je gagne des vies parce que là j'en ai plus du tout de vie, j'ai 4 vies quoi. C'est rien du tout 4 vies, oh non. Wow ça va, si c'est dans la zone bonus c'est pas grave parce que si je meurs je recommence donc Ok, what? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'accord, ok. J'avais pas bien compris, mais c'est bon. Non, 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 là, on avance. Et c'est bon. Attendez, mais il reste une caisse, là. Ah oui, il restait la dynamite. Enfin, la TNT. Fallait attendre que la TNT explose. Bon, j'ai récupéré que 2 vies et 2 pommes, quoi. C'est rien du tout. J'ai 3 j'ai 3 vies, les amis. Oh non, j'en ai 5. Ok. Tu meurs? Ouais, eux, ils peuvent mourir. C'est cool. Faut sauter sur la tortue. Faut sauter sur la tortue. Je crois que c'est le seul moyen. Ça va être très chaud. Mais non! Mais ça marche pas! Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire alors. On veut peut-être d'abord la retourner et après sauter dessus. Ok, voilà, et allez. D'accord, c'était bien ça qu'il fallait faire. Ouh là là. C'est rare hein, que dans Crash il faille sauter sur un ennemi pour avancer. Bon, là par contre je suis allé trop loin. Donc c'est tellement rare que voilà, j'ai pas l'habitude, ça m'a surpris. Ok. Mais alors si tu tues la tortue, c'est mort en fait. T'as perdu. Il te reste plus qu'à te tuer. Non. J'ai plus que 2 vies les amis. La fin du niveau, elle est là. Elle est juste devant. J'ai plus qu'une vie. Si je meurs maintenant, c'est la cata. Je devrais recommencer ce niveau du début. Vous vous rendez compte? C'est chaud, hein. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Ok. C'est bon. Bon, il manque des caisses, mais c'est bon, ouf. On n'y reviendra pas de sitôt dans ce niveau. Alors ça, c'est certain. Hein. On a raté des boîtes, mais... comme je vous dis, on n'y reviendra pas de sitôt. Hein, parce que c'est tellement chaud. Bien les amis, on va rester là pour cette vidéo, on aura fait moins de niveaux que d'habitude, mais c'était tellement difficile que, voilà, on a passé 30 minutes à faire 3 niveaux, donc on va en rester là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, et de vous abonner pour être au courant de la suite, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Crash Bandicoot Ensign Trilogy avec Coco. Donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis, salut!